C'est quoi ça? On va se poser. Les systèmes tombent tous en panne. T'as quelque chose? C'est la merde. Redémarrage des moteurs. Bien joué, BD. Jamais le hangar. Il faut qu'on se pose. Accroche-toi, BD. Alors ça, c'est pas vraiment se poser, ça. Ça attirera avec panache. Complètement grillé. Sans réparation, on redécollera jamais. Alors, on est là, et ça, ça doit être l'avant-poste. J'imagine qu'on va enfin découvrir la cantina de Grise. Ok. Bon, allez, viens. Est-ce que je suis pressé de manger sa bouffe? Non. Et c'est bio, ouais. Par c'est un poil haut. Hein. C'est tellement calme. Bravo, aurait bien aimé ça. Allez, BD. Bravo. On a encore du chemin. D'accord. Donc... Oh, le paysage d'ouf. Côté de tout ça. Tu veux bien que je jette un œil? Rentrer dans le viseur carrément quoi. Oh. Alors, je crois qu'il m'a vu. Elle est plutôt énorme cette créature. On a notre cible. Il n'y a plus qu'à l'atteindre. Alors est-ce que je vais devoir me battre avec? Comment on quitte? En survolant une balise, vous pouvez ouvrir son emplacement sur l'holocarte. Ok bro. Bon par contre j'ai mis des balises n'importe où. Trop convaincu là. Ouais. Ah, j'avais dit, j'étais pas convaincu hein. Un Lucarulk? Qu'est-ce qu'un vieux vaisseau de combat séparatiste fait ici? Le dernier Lucarulk que j'ai vu, c'était sur Braca. Ça fait longtemps, prof. Qu'est-ce que tu dirais maintenant? Allez, le Mantis ne va pas se réparer tout seul. J'espère que vous avez une pièce. Hein. Il y a des bruits chelous. Bon, on y va. J'examine un peu. Attaquez-vous, tu peux. Rouillé, comme tout le reste ici.
Ça fait de l'XP, hein. Eh, j'ai pas capté si on pouvait changer la couleur du sabre. Bon, là-bas, ça veut dire que c'est fermé. On se casse. Ouais, j'ai de nouvelles lunettes pour mon robot. Pas ce que je voulais faire, mais écoute, ça a marché. Encore un autre éclat. Je pensais que c'était la sortie à la base. Séparatistes dont je me souviens, les pillards du chaos. Dans quoi Gris s'est encore fourré? On se trouve, il est prisonnier. Hein. Oh. Un peu de noir. Oh. Oh, les effets de lumière, ils sont beaux. Pour un coup, il y a un jeu petit avec de la RTX. Hein. Parce que putain, des fois, c'est la merde. Ah. Ça fait peur, bâtard. Arrêtez de me sauter dessus comme ça. Regarde-moi cette chose. Grise a vraiment choisi un endroit intéressant pour s'installer. Ça se trouve, c'est un faux truc qui est dedans. T'es. Putain, je vais en avoir un jour. Alors, comment dire? Je doute que ce soit par là. Je doute que ce soit aussi par là. Ça me paraît un poil haut là. Yes, allez, bonne nuit, hein. Y a ça là, mais je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'était fermé ici. Je reviens sur mes pas là. Ouais. Wesh. Allez où? Il y a un truc là au-dessus, mais je peux pas y aller. Et voilà, la ficelle elle veut pas s'accrocher. Bah super, on est coincé là-haut.
Ça me paraît trop beau aussi par là-bas. C'est bizarre parce que là il y a des trucs. Là, il y a des plaques à terre comme si il y avait un saut à faire. Ça se trouve c'est tout con, c'est devant moi et je le vois pas comme d'habitude. Non mais là je le verrai quand même. Oh je sais que je suis bigleux mais il y a des limites quand même. Pour moi il y a que ça là pour l'instant que je vois qui pourrait être utilisable. Mais gars tu vois c'est les plaques à terre là qui me disent limite vas-y saute par là-bas. Matrix, c'est ça, ce point orange. Il y a ça et regarde, il y a là, là. De là, il pourra s'accrocher à la corniche. Comment qu'on peut s'accrocher dessus comme un con? Putain, je suis vraiment teubé. Pas chercher compliqué quand on peut faire simple. Regardez un peu ce paysage. J'avais oublié à quel point ils sont bavards. Normalement, tu vois, c'est chercher pour rien. Bon boulot, on va gagner du temps. Là, ça sent la connerie. Des fois je tente des trucs alors que c'est un truc tout con et je sais pas. Je m'obstine à faire quelque chose qui sert à rien. Je crois qu'on peut en conclure que ces droïdes ont de nouveaux maîtres. Qu'est-ce qu'on a là? Soldat des pillards. Tu crois que c'est un gentil? Oui, moi non plus. On s'enfonce. Il faut bouger. Ok, donc ça explose. C'est bon à savoir. Ça fait beaucoup de goudron. Merde. J'ai un mauvais pressentiment. Je vais les envoyer dans les pieds, je pense. Pas du tout. Ah ouais. Tout pété à haut. Change de touchage 24. Raccourci débloqué. Un vaisseau coincé. Oui, je connais ça. J'aurais bien aimé t'aider. Bah, apparemment, on peut pas l'aider. J'ai pas assez de force.
Barbe courte, let's go, même custom son perso. On se rapproche, je le sens. Je crois que je vois une sortie. Bah tu le sens, tu le vois plutôt. Il faut continuer. Je t'entends, regardez. Il me voit plus. Oh, comment il a volé. Salut. Je crois qu'il a passé à travers la texture, je suis pas sûr. Quand est-ce qu'ils vont enfin comprendre? Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Préparez-vous. Oh, ils ont pas le temps de dire ouf, ils sont déjà morts. Ah, enfin, lui, c'est pas un coup de blaster. Ces hein. Pillards ne sont que des meurtriers. Donc si je fais ça, c'est censé faire respawn les mobs derrière. J'ai combien de points là? Point de compétence obtenu. J'ai un point de guerre. On va voir dans survie ce qu'il y avait là. Augmente le niveau de santé. Augmente la durée des attaques des ennemis confus. Le niveau de force. Augmente le niveau de force. La santé en mode histoire, je pense pas que t'as besoin de la de ouf. Hein. Allons-y. Allons-y, let's go! C'est parti, BD, hein! Ah! Chérie! Il plaisante pas! Ça s'en va. Là, faut que je scanne tous les mobs en fait. C'est pour mes collections de cartes. Annie, on dirait qu'il a traîné sa proie jusqu'ici et. Hop là, let's go. En fait, généralement, les trucs comme ça, ça débloque des trucs pour ton perso. Et à chaque fois, j'ai eu de la santé, là, je crois. Alors, à mon avis, il fallait balancer ça sur les mecs. Juste qu'on trouve le bon chemin. Grise va être étonnée de nous voir, hein. Le bon chemin. Oh, je pense que j'ai pas assez de force. Je voulais essayer de monter, mais. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Oh, oh le bâtard! Putain, j'ai failli tomber! Putain, je me fais niquer par des petits mobs de merde. On dirait des graines. On va essayer de leur trouver un bel endroit. Ah, c'est des graines qu'on met dans notre vaisseau, ça. C'est casse-couille, c'est une connerie. Hein. Y aller. Y'a rien. C'est vraiment pas agréable. Je vous en prie, laissez-moi partir. On ne prospectera plus dans les gorges. T'entends ça? Oh, vas-y. Signale ça. Un autre à terre.
Phoebus voudra le savoir. 5. Hop, ça dégage. C'est simple de se prendre un moins fort que soi. Oh, c'est quoi ça? Putain, le con. J'aurais dû le prendre et le balancer sur quelqu'un, je suis con. Genre comme ça. Vous, j'étais au mauvais endroit. Au mauvais moment. Nice. Qu'est-ce que je fais ça? Ok, ça fait rien. Détruis-le, oui. Pas de quartier. Affirmatif. Un droïde commando. On n'avait pas manqué cela. Ah, moi ça vaut. On m'avait pas manqué non plus. C'est-à-dire que tous les mobs m'ont pas manqué, donc c'est plus simple. Allez, viens, c'est pas drôle. Allez. Hop là. Bien. Eh, hey, qu'est-ce que t'as trouvé? Tu veux qu'on appuie dessus, hein? Moi j'aime bien appuyer sur les boutons. Ces trucs sont vraiment efficaces. Waouh, la lumière fume. On trouve un moyen de sortir de ce goudron. Il y avait quoi à faire avec ça là? Oh mais c'est là loin. Ça pourrait être utile. Je suis pas allé là-bas. Salut toi. Mes amis, est-ce que vous les avez vus? Oui. Oh, il y a des mini-quêtes dans les... Je suis désolé. Ah, ça. Maudit pillard. Ils nous prennent tout ce qu'on a. C'est là d'où je viens. Qu'est-ce que vous faisiez ici? Je prospecte. J'essaie de gagner ma vie, mais toutes les machines coincent à cause du goudron. Et puis, il y a les pillards et les insectes. Nous nous rendons à l'avant-poste le plus proche. C'est encore loin? Pas trop, non. Il suffit de passer la crête du canyon pour entrer dans la vallée. Vous feriez mieux d'y aller aussi. C'est dangereux par ici. J'irai, une fois que le chemin sera sûr. T'inquiète. Je vais te le libérer de ton chemin. Le tablier, non, pas besoin. Pas de plateforme ici. Ah. Du coup, je suis censé monter comment, moi? Peut-être censé trouver une plateforme. Des graines. Je devrais trouver un endroit où les planter. Ces tirs de blaster n'étaient pas précis. Un simple coup de chance. C'est chiant ça, tu veux. Je fais pas attention à ça, moi. Alors, par contre, je voudrais bien savoir comment je ramène. Intéressant. Une boulette jusque-là.
Ça me paraît là loin. Je l'ai pas eu. Ah non, j'ai la haine, putain. Une blague. Je sais même pas si je peux l'avoir d'ici, hein. Bah, y'a moyen. Je tire plus haut. Non. Bon, c'est peut-être pas par là, hein, ouais. Il y a un autre passage quelque part, je sais pas. Ah, on peut scanner. Qu'est-ce que c'est ? J'ai déjà passé par l'autre tout à l'heure. Je suis en train de m'enfoncer. Wow, 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 wow. Ah ouais, mais je peux pas remonter dessus. Je vais passer par là tout à l'heure. Merde le coup, putain. Je me jette comme un teubé, putain. Ah, ça respawn ça. Je pense que ce que je faisais tout à l'heure en balançant les boulettes, ça doit être ça, hein. Mais j'ai pas le bon truc. Peut-être d'en haut, je peux le péter. Pas avancer Google. C'est une blague là. Oh là là, tout pour me casser les couilles, sérieusement. Mais il se coince tout seul ici.
Voilà. Fallait juste être un peu plus près, quoi. Ah bah nice. Hop, on va laisser peser. Colonne vertébrale, ça. Os de créature. Ouais, bah ça, j'avais remarqué que c'était une créature. Il est vénère, lui, là-bas, là. La personne qui vivait là est partie depuis longtemps. Je me demande ce qu'elle fabriquait. Je me méfie qu'il n'y a pas une bête cachée, hein. De force tenue. Raccourci des blocs. Putain, j'en reviens là. Ça, c'est d'où je viens de tout à l'heure, ça, non? Je pense, hein. Moi, je viens d'en haut, non, même pas. Faut peut-être trouver le passage là pour y aller. Mais moi, où est-ce que je dois aller, moi? C'est vrai que j'ai une map. Je dois aller là. Je dois aller en face du coup là. Pas trop trop aidé, hein. Et en fait on doit aller Bah j'y suis déjà allé là-bas. Barrage ne tient plus. Ah oui, 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 j'ai. J'arrive. Voilà, le niveau monte. Voilà qui devrait faire l'affaire. Continuons d'avancer. On y est presque. Hop là. Alors est-ce qu'elle est hostile, elle? Je pense pas, hein. Il y a tout sur lui en fait, BD1. Attention à ce que tu scannes. Allez, grimpe. On aurait dû te laisser dans ce nid de ratard.
Ouais, ça c'est méchant. Nidratar, je pensais dans le 1 au tout début. En vrai, il nous a été vachement utile depuis le 1 BD1. Il est pas mort. Oh, je meurs, toi. Là, je dirais ça bouger ça, donc à mon avis, il doit y avoir un truc à faire avec. Plus avancé. Je ne suis pas plus avancé. Direct. Il s'accroche nulle part. Et moi de toute façon je viens d'en bas. Comment je coince sur des énigmes à un moment? On peut peut-être courir sur le mur là-bas. Débouche un petit coin. Mais des Boglings, vous êtes très loin de Bogano. Tu crois que je moi c'est mignon. Ah là, je fais mon sport pour la semaine. Attends, mais il y avait pas un truc là. Il y a un truc pour méditer à où. J'ai 2 points. Sabre laser. Je vais prendre en double lame.
reste quoi, un point? On va augmenter peut-être la force. Alors, augmente la durée des attaques des ennemis confus. Ah oui, si, c'était ça. Ça, je récupère pas mal de force, de ce que j'ai compris. Vu qu'il faut tuer un ennemi, je gagne beaucoup de force, ça devrait aller quoi. Alors, ça, c'est bon. Nous, on vient de... là. Je veux parler au Pikmin. Je t'ai déjà vu, toi, non? Oh, j'ai pas le souvenir, dans le 1 ou quoi. Sympa le changement de paysage. On devrait plus être très loin de chez Grise. Ouais. Regarde-moi ça. La vue est superbe, hein? C'est ton vaisseau dans la gorge déterrée? Oui, on a eu quelques problèmes techniques. T'as dû croiser les pillards du chaos. Ils nous ont sauté dessus direct. Contente que t'ailles bien. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je cherche un vieil ami. Tu connais Grise Dritus? Oh, Grise? Bien sûr que je le connais. C'est mon père. Je m'occupe des écuries en ville. Mon nom, c'est Mozy. Moi, c'est Cal. Et voici BD1. Dis donc, t'es un joli petit droïde, toi. C'est bon de voir un visage amical. Pour moi aussi. La voie semble dégagée d'ici. Tu devrais pas avoir d'ennuis. À moins que tu les cherches. Oh, et dis bonjour à Domadendra quand t'arriveras en ville. Elle voit pas les étrangers d'un bon œil. D'accord, j'en prends bonne note. Merci du conseil, Mozy. Pas de quoi. Ça promet. Alors. Je m'attendais pas à te revoir aussi vite. Je pensais aller faire un tour aux écuries. Eh ben, c'est pas ici. Je m'occupe juste de Brutus, là. C'est un écho. Les écuries sont en ville, là-bas. Et si tu trouves une bête que tu veux faire sceller, passe me voir. Je vais ouvrir l'œil, Mozy. Merci. Je peux avoir une monture. C'est méchant, ça. Enfin, une esquive là. Pour le prix d'un, nice. Faut escalader un truc là. Belle trouvaille, BD. Avec Révis pour nous guider, nous triompherons. Les calculs démontrent que nos chances de réussite. Oh le bateau. Hop, ça dégage. Et je l'ai démembré lui.
peuvent pas sauter. Faut que c'est un sniper rush. Ça me paraît un poil haut. Oh là là, j'ai dit mal des fois. Alors, j'ai un doute sur ce que je pense faire. Oh, déjà, faut que j'y arrive. Non. Oh, le rattrapage, quoi. On bouge. Je vais regarder sur l'établi. Si on peut changer la couleur du sabre. Matériau. Lame. Ah bah voilà. Il n'y a pas rouge. Ça me convient très bien. Je peux pas choisir la... la couleur de la lame droite. Choisir la couleur de la lame droite. Ça marche et ça a l'air sympa. Bon. Alors, c'est deux fois la même couleur, c'est dommage. On a pu faire chacun une couleur, ça aurait été bien. J'ai vu un groupe là. Non. Bon, c'est... Voilà, pas du tout. C'est un groupe de A, mais pas du tout, c'est des animaux. Alors lui, c'est juste en haut. Leçon à tous. Si vous touchez à mon avant-poste, je vous traquerai et je vous tuerai moi-même. Ok. Et là, il faut dire, faut pas dire qu'on est... on est un étranger. Vous voulez faire l'affaire de votre vie? Peut-être. Je vous écoute. Certains se sont aventurés dans la mine là-bas, mais on ne les a jamais revus. Exactement, petit droïde. Ça pourrait être le début d'une tragédie, comme beaucoup de choses sur Kobo. Les prospecteurs cherchaient de la priorite. La mine en est pleine. Mais la priorité, c'est de sauver ces gens, bien sûr. Je vais aller voir ça. Là, c'est sérieux. La mine est juste là-bas. Vous ne pouvez pas la rater. T'as des quêtes secondaires à faire, quoi. On y est presque. Ça va faire du bien de revoir Grise. La mine est là-bas. Peut-être qui sait où se trouvent les autres maintenant.
serré et bloqué dans le passé. Et Meryn en errance. C'est de l'histoire ancienne. Ils ont pas l'air très sympas. Je pense que c'est la maison là, du coup. Tu pensais pouvoir nous arnaquer. C'était juste un petit malentendu, hein. Hey. Lâchez-le. C'est hors de question. C'est Thanos. Chose nous a vendu une relique hors de prix. La clé qu'on cherche depuis longtemps. Sauf que, bien sûr, c'est une fausse. Je croyais que c'était la vraie, Révis, promis. Oh. Je te crois. Mais je ne peux pas tolérer des erreurs pareilles. Prenez ça comme un avertissement. Voilà ce qui arrive quand on contrarie les pillards. Tuez-le. Ah, non. Ça suffit. Partez. Un Jedi. Un jeudi. Rappelle à notre ami pourquoi son espèce est censée avoir disparu. Bien joué. T'as peur, Jedi. Maintenant, tu vas saigner. Oh, le finish. Oh, je lui ai monté dessus, quoi. La prochaine fois que tu veux te battre, viens nous trouver. Quel plaisir de voir un Jedi en pleine action après toutes ces années. Noble chevalier Jedi, si tu retiens ta main, je me retirerai en paix. Ah, surveille-le aussi. On se reverra. Coup de pute, on connaît, hein. Ça suffit, Turgle. Turgle, viens par ici. Eh oui. C'est vous, Doma? Oui, c'est moi. Tu as un nom, Jedi? Moi, c'est Cal. Et voici BD1. J'apprécierais si vous pouviez garder ça secret. Ici, à la frontière, le seul moyen de survivre, c'est de se serrer les coudes. Eh bien dit. Rien ne t'obligeait à intervenir et pourtant tu l'as fait. Oui, tu l'as fait. Turgle, tais-toi. Oui. Turgle, ta gueule. On ne révélera pas ton secret. Cal. Ça nous est bénéfique à tous les deux. Merci. Mais il peut pas nous dire où est-ce que... N'oublie pas de repasser à la boutique plus tard. Promis. Cal, je ne te remercierai jamais assez. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en prie. Et ces techniques de combat, incroyable. Où est-ce que t'as appris ça? Je croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Ah, oui,
pourrais pas m'apprendre quelques tours un de ces jours? Je voudrais pas que tu te fasses mal. Oh, mais dommage, Link, c'est ce que je fais le mieux. Ouais. Bref, il est où, Si c'est un blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir. Viens au paille boire un coup et repasse vite nous faire coucou. Ah, déçu. Oh, un client potentiel. Qu'est-ce que je te sais? Moi, rien. Merci. Oh, c'est bien dommage. Je cherche un vieil ami. Quatre bras, poilu, pas discret. Et relativement petit. Tu peux sortir maintenant, la voie est libre. Moi je te le dis, Monk, ces pillards du chaos vont foutre en l'air. Ah, une tête connue. On n'a aucun espoir, que dalle, zéro, nada. Ça roule, BD. Ah. Attends. Oh, Cal. Cal Kestis, ramène-toi, nom d'un petit bogling. Oh, ça faisait longtemps. Tu m'as manqué, gamin. Salut. Laisse-moi te regarder. Oh, t'as une sale tronche. Content de te revoir aussi, Gris. Tu prends bien soin de lui, j'espère. Tu entretiens bien le Mantis. Disons qu'on a eu des ennuis lors de la dernière mission. Quel genre d'ennuis? Le genre impérial. Non, j'aurais dû m'en douter. Il traîne aussi autour de Kobo ces temps-ci. Le giro du Mantis est calciné. On aura besoin de ton aide pour repartir. Mais bien sûr, tout ce que tu veux. Je t'en prie, prends-toi un tabouret. Et Monk, sers à mon ami une boisson dont t'as le secret. Un rafraîchissement. Je t'apporte un Monk sournois, tout de suite. Sois le bienvenu au Pailoun Saloon, la meilleure cantina de ce côté de Zeltros. Ouais, ta description ne lui rendait pas justice. Et voilà, à la tienne. Avec Monk, on l'a repris à l'ancien proprio. Parce que, Il est mort empoisonné par Blaster à coup des pillards du chaos, si tu vois ce que je veux dire. J'ai eu affaire à eux. T'es sûr que ça va, Gris? Ah ouais, ça va. Tant que j'ai pas un truc qui leur fait envie. Hey, qu'est-ce qui t'est arrivé au Mantis? Oh, on était sur Coruscant. On récupérait des infos pour Sauguerrera. J'ai toujours appelé ça Coruscant. Ça a dérapé. On n'est que deux à avoir survécu. J'ai l'impression de servir à rien. L'Empire devient de plus en plus fort. Depuis que l'équipe s'est séparée, c'est plus pareil. Ouais, c'est vrai qu'on a passé de bons moments, hein. Toi, moi, la sorcière, Serré. T'as eu de ces nouvelles récemment? Merine a tout le temps la bougeotte. Elle explore la galaxie. Synchro-labial disparu. De Serré. Non. Ça fait un bail. Et toi? Grâce à ses crédits, on a relancé les affaires ici, mais on attend encore sa visite. Elle doit être occupée avec son nouveau projet. Hey, Cal. Pourquoi tu te reposerais pas un peu avant qu'on répare le Mantis? La galaxie peut bien attendre quelques heures. On devra sans doute reprendre la route dès qu'on aura terminé. J'ai une chambre de libre au sous-sol que j'ai bichonnée spécialement pour toi. Tu devrais aller y jeter un œil. D'accord. Merci, Gris. Hey. Alors. T'as pas l'air d'un pillard ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Pas de blaster sous mon nez, pas de bouteille renversée, ni de cri de guerre. Oh, et un droïde mignon. Voici BD1. Moi, c'est Cal. Il était temps qu'on ait de nouveaux visages en ville. Au fait, moi, c'est Zig. Ravi de te rencontrer. Ok. Cette scène a vu des jours meilleurs. Impossible que ce truc soit aux normes. Même ici, dans la bordure extérieure. Ça, c'est la cuisine. La cave doit être par là. La cave... Oh, on va me faire dormir dans la cave, quoi. Waouh. Gris s'est vraiment surpassé. Je dois me recentrer. Hop. J'ai un point de compétence, ça sert à rien. Oh, c'est un gros coffre, hein. Ferrailleur. Ma vieille tenue de ferrailleur.
pense. Pourquoi Grise a gardé ça? Pourquoi mesquine, wesh. Ouais, c'est flippant. Toutes ces petites tenues, c'est mignon. Wesh. Tu causes toujours en dormant, hein? Il y a des choses qui changeront jamais. Cinglé. Boule de poil. Ah. C'est sympa de m'accueillir. Pas de quoi? Pourquoi tu crois que j'ai gardé tes affaires pendant tout ce temps? Parce que j'espérais que tu passerais pour te reposer un peu. On sait bien ce qui se passe quand je reste trop longtemps quelque part. Alors comme ça, je peux trouver un gyro par ici? On a largement le temps pour réparer le Mantis. J'aimerais qu'on parle un peu de toi. Je vais bien. Plus vite on part, mieux ça vaut. Et ensuite, tu vas aller avec So Guerrera t'attirer des ennuis? Possible. Ouais, je compte bien continuer à me battre. C'est marrant, t'as dit exactement la même chose le jour où on est partis chacun de son côté. Oui, parce que je... Écoute... Je sais que vous aviez tous vos raisons de partir. Mais baisser les bras, c'est pas une option pour moi. Il faut que je m'accroche. Et où est-ce que ça t'a mené, Cal? J'aimerais que les choses soient différentes, mais... Tu perds encore des compagnons, et puis t'as dit toi-même que l'Empire gagnait en puissance jour après jour. Il est peut-être temps pour toi d'être un peu plus qu'un simple sabre laser. Sois plus égoïste, pose-toi, trouve un foyer. Mais... Quel foyer, Grise? J'en ai plus de foyer. Mon foyer, c'était l'Ordre, mon maître et tous ceux qui ont disparu. À quoi servira leur sacrifice si je me contente d'abandonner et de fermer les yeux? Je sais que la chance t'a pas souri, mais vraiment, tu devrais m'écouter. La vie n'a pas non plus été tendre avec moi. Quand la partie est truquée, il faut savoir quand se coucher. Sinon, tu vas finir par perdre quelque chose que tu pourras jamais remplacer. Très bien. Viens, je vais te montrer un truc. C'est un tunnel de contrebande. Il était déjà là quand j'ai eu la cantina. Vas-y, jette un coup d'œil. Je garde des pièces de rechange là-dedans. Je suis sûr que tu trouveras tout ce qu'il faut pour réparer le Mantis. Merci. J'apprécie le geste. Cal, il faut que je te dise. Bien vu pourquoi ils s'étaient séparés à la fin du 1. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Moi aussi. Et Grise, je tâcherai d'y réfléchir. Et regarde où tu mets les pieds quand tu descends. Il doit y avoir des parasites en bas. Fais attention. Super. Le tunnel clandestin, hein? Grise a toujours eu plus d'un tour dans son sac. Regardons ça. Sans issue. J'aurais pas deviné. Oh, aïe. Des boglings. C'est eux qui ont effrayé Grise? C'est ça. Moi, c'est mignon. Et...
j'avais peur. Saloperie. Oh, les compétences obtenues. Putain, je les vois à peine quoi, c'est un truc de ouf. Fais bien attention, bébé. Personne n'a emprunté ces tunnels depuis un moment. Poussiéreux et abandonné. Encore de la ferraille, hein? C'est bien gris, ça. Récupérer des trucs de quelqu'un et y rajouter d'autres trucs. La porte est volée de l'autre côté. Super! Attends, tu vas pas me dire c'est aussi petit? C'était une grosse arme qui tenait tout quoi. Ne jamais réfléchir avant de sauter, hein. Plus vite on trouvera Grise, plus vite on... On devrait aller voir ça. Respire. Hop. Passage effondré. Ça me rappelle presque le terrain d'entraînement des Jedi. Mais différent. Plus ancien. Non! Non! Wesh, c'est un acrobate, Cal. C'est quoi cet endroit? Génial. Celle de la dualité. On peut avoir de la lumière. Bonne question. Bonne question. D'abord, j'ai trouvé. Tu crois qu'on peut marcher là-dessus? Ça, ça pue ça. Attention, BD. C'est ce qu'il voulait l'autre, ça. Je suis venu aussi vite que j'ai pu m'être cri. Désolé d'en arriver là. Ma mémoire sera totalement effacée? Non. Uniquement ce que le conseil souhaitait. Alors, je me souviendrai de vous? Non. Je suis prête. Quel est ton nom, droïde? Je suis ZNA4, bien sûr. Comment puis-je servir l'ordre? Z. Dis-moi comment traverser l'abysse de Kobo. Mes banques mémorielles ne contiennent aucune information à ce sujet. Maître Cree, vous savez que la République a ordonné une évacuation générale. En effet. C'est pourquoi j'ai une tâche importante à te confier, Zed.
prends ça. Un syntoniseur? Quel magnifique modèle! Oh là là! Certain, pour activer le complexe de la forêt. Voyage par les souterrains sans t'arrêter, c'est un ordre, Zed. Je ne vais pas avec vous? Non. La clé de Tanalore se trouve dans ce complexe. Si tu ne te presses pas, je crains qu'elle ne soit perdue à jamais. Que la force soit avec toi. Que ce droïde est là depuis plusieurs siècles. Bonjour. Oh, bonsoir. Quelque chose ne va pas? Tu t'appelles Zed? Oui, c'est ça. Comment as-tu? Oh, non. Je suis prise au piège. Heureusement, c'est pas le professeur Z de Borderlands, hein, parce que putain. Depuis combien de temps? Moi, c'est Cal, et voici BD. On va t'aider. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre aide ne serait pas de refus. Ah ouais, tu coupes le câble avec ton sabre laser. Let's go! Bien Jedi. Mais non. Tu ne portes même pas de tunique de Jedi. Je suis plutôt branché, Pancho. Il va y avoir des trucs à faire un par un. Utilise les orbes pour activer le pont. Ensuite, tu pourras atteindre les commandes de la grue. Enfin, je crois. Après très bandalé. Qui sait ce qui peut arriver? Je crois que ce droïde a pété un boulon. Je te demande pardon? Je disais... Tiens bon, Zed. Comment je peux passer là? On dirait un disque de données. Ah, c'est pas du tout ce que je pensais. Est-ce que je peux attirer ça de là? Bah ouais. Pourquoi se faire chier? Tu seras bientôt libre, Zed. En ton temps, cela fait seulement un moment que je suis coincé ici. Ton nom ne figure pas dans mes banques de données. Comment as-tu passé? Je les ai jamais passés. J'ai été nommé chevalier sur le terrain. Et quelle fut la raison de cette violation flagrante du protocole? C'est une longue histoire. Je sais pas où je vais, hein. Ça se trouve, c'est pas par là-bas, mais... pas, je le sens pas. Merci, Cal. De rien. Si tu veux bien m'excuser, je n'ai que trop tardé. Bah maintenant, tiens encore un peu. Je peux jeter un œil? Eh bien, je dois admettre que j'ai besoin de réparation. Alors, Zed, c'est quoi, Tanalore? Une planète cachée au cœur de la bise de Kobo. Elle abrite un temple Jedi.
que mon maître espérait comme avenir pour Tanalore. Apparemment, ça s'est mal passé. Il faut juste trouver un moyen de sortir. Eh bien, je peux peut-être aider. Est-ce par ici ou par là? Non. Oh, oui, c'est par là. Suis-moi. Bah, vas-y, let's go. Je vois où nous en sommes. À présent, une salle de méditation. Maître Kree les a conçus pour entraîner les Jedi. Je me souviens de ça, mais je ne me rappelle pas. Bah merci, ça, ça fait plaisir. Maître Kree était d'un esprit brillant. Tu la connais, Cal? Pas vraiment. Peu importe, mais je pense qu'elle t'aurait apprécié. La sortie est bonne. Oh, l'avantage obtenu. J'ai beaucoup de chance. Vous avez découvert un avantage. Vous pouvez trouver tout au long du jeu différents types d'avantages qui pourraient modifier sensiblement la façon de jouer. Vous commencez par 3... emplacements d'avantages disponibles, d'autres emplacements peuvent être débloqués au fur et à mesure de votre progression. Les avantages particulièrement puissants peuvent nécessiter plusieurs emplacements. Vous pouvez consulter vos avantages à tout moment, ouais, dans le truc. Okay. Oui, t'aurais vraiment pu rester ici pour toujours. Zed, cette planète dont tu parlais. Elle ressemble à quoi? Tanalore? Oh, quel endroit merveilleux! Comment j'y accède? En traversant l'abysse de Kobo. Ton maître a dû effacer ces informations de tes banques de mémoire. Eh bien, elle devait avoir ses raisons. Bonjour! Seul. On va te remettre sur pied. Tu ne portes pas la bonne tenue, mais... je suis désormais certaine que tu es un Jedi. Allez, viens. Alors... dans un instant, Cal. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Ok. J'avais pas l'intention de t'attendre, de toute façon. Tu as devant toi les meilleurs composants et articles divers de ce côté de la bordure extérieure. Ça, c'est la garantie d'Oma Dendra. T'entends ça, BD? Une garantie. Eh oui, mon commerce est fondé sur la confiance et la qualité. Et je tiens à ce qu'il en soit toujours ainsi. Alors, qu'est-ce qu'elles vont? Bah, super. Quelque chose te fait envie? Peu de mystérieux. Aïe, ah non, c'est des éclats. Oh, putain. Ça coûte cher. Ouais, ben, ça attendra. Hein. Que la pauvreté me guette. Je suis contente de te voir. Attends, est-ce qu'on doit aller là? Pas là-dedans, apparemment. Je suis pas un espion des pillards du chaos. Je suis un ami de Cal Kestis. Quel qui ça? Écoute mon vieux, je t'ai déjà dit que tu te trompais de cantina. Moi, je connais personne du nom de Cal Kestis. Hé, Grise. Non, ce Cal Kestis. J'ai mon Giro. Ça a l'air d'aller. Content de te voir. Grise Dritus, voici Bo Dacuna. Il était sur Coruscant. Sans lui, je m'en serais pas sorti vivant. Ah, je vois. Ravi de te rencontrer. Malheureusement, j'ai plus le moindre lit disponible. Non, mais attends. Un autre encore?
Oh, Cal, t'as la sale habitude de récupérer tous les droïdes qui traînent. Je suis ZNA4, au service de l'Ordre Jedi. Oh, personne lui a annoncé la nouvelle. Elle était piégée sous terre. J'ai jamais vu un modèle de ce genre. On dirait presque une antiquité. Et t'as pas trouvé quelque chose qui vaut beaucoup de crédits? Des crédits? Bon! Cal, tu m'as sauvé. Cependant, j'ai encore besoin d'aide. Et c'est reparti. Maître Santari m'a ordonné d'ouvrir le complexe de la forêt. Mais dans mon état, je ne peux pas accomplir ce devoir. Je t'en prie. Si j'échoue dans ma mission, la clé de Tanalore sera perdue à jamais. Une seconde. Tu viens de dire... Tanalore? Tu connais? Oui, c'est une vieille légende de prospecteur à propos d'un monde perdu, rempli de trésors. Et en croire ce droïde, ce serait pas qu'un mythe. On peut y jeter un œil. Oui, mais d'abord, je dois réparer le mantis avant que les pillards s'en emparent. Laisse-moi t'escorter, je surveillerai tes arrières. Non, oh, il est aussi dur à cuire qu'il en a l'air. Après Serré, c'est le meilleur tireur que je connaisse. Ça marche, on va s'occuper du mantis. Je pars en repérage dans la forêt. Merci, Cal. Dès que je serai opérationnel, je te rejoindrai au complexe de la forêt. Ouais. Zed. Oh là, du calme, l'antiquité. Tu devrais les laisser s'en charger et y aller mollo sur tes pistons. Viens avec moi, je vais te rafistoler, te faire briller et te faire le point sur l'actualité de la galaxie. Hé, hey, Cal, je vais fermer le saloon pour que les pillards le saccagent pas. Tu passeras par derrière, ok? Toujours passer par derrière. Exploration du Piloun Saloon. Grâce aux efforts de Cal, l'avant-poste de la vallée de Vagabond ne cesse de s'améliorer, de nouvelles boutiques et d'activités seront disponibles. C'est un litière de Kobo. Où est ce bain d'huile dont tu parlais? Ça arrive, l'antiquité. Mais quelque chose me dit que tu apprécieras plus le bain après notre discussion. Accroche-toi bien, j'ai peur que cette mise à jour soit difficile.